Ah non! Allen! Non! Non! Donc bonjour à tous! Alors, petit message vite fait, juste avant de vous balancer toute la vidéo. Donc effectivement, oui, c'est une épopée. Hein, une épopée qui pourrait faire effectivement rappeler les épopées du Hooper. Hein, Hooper étant un vidéaste qui a fait comme vidéo, entre autres, des épopées, et ces épopées sont des vidéos où justement il essaie de terminer un jeu d'une traître, même si ça ne sera pas vraiment le cas ici. Mais voilà, derrière le concept même d'épopée, c'est voilà le fait d'essayer de se surpasser, d'essayer de terminer un jeu avec tout ce que cela peut induire comme travail mental sur soi. Et donc j'ai renommé le concept même d'épopée en expérimentation du programme d'observation psychanalytique et d'examen de l'esprit. Alors, ça semble quand même sacrément tordu comme nom, mais je trouve que ça accorde une place plus importante à l'analyse elle-même et au contenu comportemental du sujet qui teste le jeu, qui joue au jeu, qui essaye de finir le jeu, et pourquoi, qu'est-ce qu'il endure dans sa tête, pourquoi il continue à jouer, pourquoi il essaye de finir le jeu coûte que coûte, alors qu'en soi, comme on le voit justement dans Undertale, Toby Fox est un lamentable enfoiré, et justement, où veut-il en venir pour faire souffrir le joueur à ce point. Et donc, ce sera le thème de cette vidéo, de ces vidéos, puisqu'il y en aura plusieurs, en plusieurs parties. Donc j'espère que cela va vous plaire et je vous dis pourquoi pas la prochaine pour, à la suite de ces vidéos, pourquoi pas une critique qui justement reprendrait comme base cette épopée qui permettrait justement de mieux comprendre le comportement d'un joueur face à Undertale et pourquoi il a ce comportement. Est-ce que c'était intentionnel de la part de Toby Fox? Oui. Donc je vous dis bon visionnage et je vous laisse avec le Tiflorg du passé. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo incroyable, parce que vu qu'il y a beaucoup de vidéos sur cette chaîne, je ne sais pas combien c'est la tienne. Putain, je dis de la merde. Faut que je me détende, je suis pas habitué à faire ce genre de vidéo encore une fois. Donc aujourd'hui on va se retrouver sur Undertale. Undertale, un jeu que j'ai commencé en décembre 2016 je pense. Et que là on est en mai 2017 et je ne l'ai toujours pas fini. Et là en ce moment je suis bloqué sur Undyne, qui me casse les couilles d'une puissance assez maximale. Donc Undyne en génocide évidemment, hein. J'ai déjà fait la run neutrale et la run pacifique, ce qui s'est plutôt bien passé a priori. Et là je commence à sentir la douleur de mon anus. Mais comme j'avais envie de voir que j'avais de la skill et que finalement je pouvais me dépatouiller dans des certaines conditions qui me pouvaient paraître dépatouillables, j'ai décidé de la faire en vidéo et pourquoi pas la poster. Si cette vidéo est postée, c'est d'ailleurs que peut-être qu'elle est fructueuse et donc qu'elle a un intérêt à être regardée. Ou alors vous ne la regardez pas et donc personne ne la voit et donc je suis le seul à parler dans le vide tout seul comme un con. Alors qu'en plus je l'ai raté comme une merde, ou alors je l'ai posté quand même parce que je me suis raté, mais vu qu'elle était sympa à regarder, enfin bref, j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Qu'est-ce que je raconte là? Pourquoi je parle alors qu'on peut aller? Bah, bonjour à tous, je viens de le dire, merde, je suis pas habitué à faire des vidéos. Hein. Alors pourquoi je l'ai pas fait en live? Parce que tout simplement ma connexion est une merde, mais ça aurait été plus sympa à faire live, c'est vrai, on peut se dire, tiens, des gens qui ont regardé, mais vu que ma connexion est tellement pourrie, je pourrais essayer de la faire live. Ferme ta gueule, Cubitoran là. Après, les gens ils vont croire que je télécharge. Oui, j'aurais pu le... Non, c'est vrai, j'aurais pu... Non, mais déjà, ma connexion est merdique. Je sais même pas si c'est possible de... C'est une bonne question, ça. Attendez, combien il faut de kilobits secondes pour pouvoir faire une vidéo sur... Non, non, c'est mort, c'est mort. De toute façon, j'ai pas envie, parce que si elle est pourrie... Non, mais il faut le savoir, hein. Ça peut être pourri, hein. And what we've... Ah oui, merde, j'aurais dû faire le doublage. On va faire le doublage, ça va être drôle, comme ça on va pouvoir passer le temps. Oh man. C'est bizarre, quand je suis tout seul, j'arrive à le faire, je suis pas concentré. Ça m'énerve parce que voilà. On va essayer. Bon bref, on va essayer. Man, my heart's pounding right. Mais non, mais c'est entre parenthèses, ça marche pas. What? Peut-être qu'il parle dans sa barbe. Yo, you would better stop right there. Et voilà, mais c'est dingue. Ah là je suis plus habitué là, j'ai lancé la capture de façon totalement monotonée. Là je suis pas dedans du tout là. Cause if you wanna hurt anyone else, you're gonna have to get through me first. Monster Kid. Et là dans ton cul. Bon j'ai chié complètement mais c'est pas grave. Oh mon dieu, quel retournement de situation. Undyne, you're hurt. Hurt, it's nothing. Next time, listen what I tell you to leave, okay? Undyne, ah! Oui, parce qu'en fait, ça fait plusieurs fois que je fais ce truc, donc je connais les dialogues par cœur. Et en plus, mais enfin, je dis ça, parce qu'en plus, c'est super chiant, parce qu'à chaque fois que vous reprenez la sauvegarde que vous avez quittée, vous êtes obligé de refaire tous les dialogues de merde à la con à chaque fois de mon cul.
Arrête de. Il faudrait que je supprime les insultes de mon langage. Elles sont détestables. I will check all of this. Get out of here! Yeah, it's nothing. No, somehow, we've just won it. I'm already. Already. Damn it. Papyrus! Alphys! Asgo! Just like that, I have followed you. C'est un peu lent comme doublage, hein, je ne vous le cache pas. Trois petits points. No, trois petits points. My body, trois petits points. It's feel like it's picking apart. Et j'ai mélangé les voyelles. Like Sony and Stat, I will scatter into a million pieces. Is. But, deep, deep in my soul. There is a burning failure, I can't explain it. A burning feeling that won't let me die. This isn't just any monster anymore, is it? If you get past me, you will destroy them all, won't you? Monsters, humans, everyone's hope, everyone's dream, vanquished in an instant. But I won't let you do that. Right now, everyone in the world, I can't feel their hearts beating as one. And we all have one goal, to defeat you, human, now, whatever you are, for the sake of the whole world, I, Undyne, will strike you down. Oh, je sens la puissance rentrer dans mon cœur. Ma phrase n'a pas été finie, dommage. Je voulais faire une belle phrase, mais... Bah là j'ai complètement chié ma phrase. Non mais là je refais la vidéo. Donc si Aurine appears again, j'ai envie de dire parce que ça fait quand même la troisième fois qu'on la voit celle-là. Alors là j'ai plusieurs. Donc acte ça sert à rien parce qu'on est en génocide. Il n'y a pas de acte en génocide, hein, on ne peut pas acter. Item, de toute façon ça sert à rien de prendre des items. Elle te... Enfin voilà, prendre des items sur ce boss ça n'a aucun intérêt puisqu'il te... Elle te chie dessus allègrement. C'est-à-dire, vous prenez. Mais là, je me. Alors là. Mais... Non, non, non. Alors là, il faut que je rentre en transe pour réussir. Oh, putain, j'ai failli me planter de touche. The wine is rolling. Ah, c'était déjà mieux là. Là, j'ai même pas vu. La fin, je crois que j'ai cligné des yeux. J'ai même pas vu les trucs venir. Je pense que j'ai fait du. Du pif au chat. 1722. Alors je déteste cela. Non. Putain mais vous voyez, j'ai déjà perdu la moitié de ma vie. Mais comment voulez-vous? Oh je déteste ça. Oh. Oh. Attendez marre. Allez au secours, aidez-moi. Et puis on va arrêter de gueuler quand même parce que là c'est pas permis. Alors je déteste ça, je ne sais pas, je ne comprends pas la pattern. Oh j'ai réussi, en fait je crois que j'ai compris. Enfin je comprends pas en fait, fallait que je trouve un truc dans le domaine. J'essaye de rester au milieu et attendez, je peux pas arrêter. génial. Donc là ça fait 7 minutes que je joue là. Je vais me dire en une heure j'essaierai de finir le boss mais en fait c'est pas possible. Mais attends je vais me... voilà il faut se... Il faut se déterminer parce que si on n'est pas déterminé et qu'on n'essaye pas de s'entraîner le plus possible, voilà c'est comme tout. C'est l'entraînement qui compte. Si tu die and retry, donc die and retry, tu die et tu retry. Si tu ne retry pas, le concept même du jeu est complètement anéanti par sa motivation même. C'est complètement con, hein. Donc moi je sais, détermine et voilà. Putain, et en plus ce qui est très bien fait c'est que quand vous allez tout droit à droite, eh bien le personnage va se bloquer au début du pont parce que tout a été calibré pour que ça vous fasse chier. Ça c'est parfait, c'est quand même magnifique. What for? Oh là là, mon dieu, I'm in my way. Oh là là, je vais faire des trucs qui sont pas du tout au milieu. Oh là là, mon dieu, 24425, when nine you're hurt. Hurt, it's nothing. Next time, listen when I tell you to leave, ok? Undyne, I take you care of this. Get out of here. You're gonna have to try a little harder than that.
Mon accent était réprochable. Bon là par contre il n'y a plus de cadeau. Là je me suis chié. Mais j'ai l'impression que la touche... C'est ça que je peux pas parler là. La concentration est de mise. Et voilà, j'ai cliqué n'importe comment, voilà, comme d'habitude. Là, j'ai tourné trop tôt. Alors, la fin était super simple, par contre. Enfin, c'est très étrange. Parce que là, le problème de ce putain de boss, c'est que tout est fait aléatoirement et à chaque fois, c'est un truc différent et je me suis chié. Mais comment c'est possible? Merde, j'ai pas le bouton, merde. Mais voilà, là, je suis plus concentré. Là, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Et regardez, on va essayer de prendre un item, ce qui ne sert à rien. En plus, mes items sont pourris. Je sais même pas si on peut avoir des bons items quelque part. Voilà, voilà. Alors là, j'ai complètement chié à la paterne. Je sais même plus ce que je fais. Alors là, alors on veut dire, mais Tiflor, il est bourré. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Bah, jouer à une... Putain, je suis en plus joue seul qu'il n'est pas fini. Ah si, là je peux give up, hein. Non mais j'en ai ras le cul. Mais en plus je sais pas pourquoi j'essaye de faire une vidéo, parce que je sais que je vais pas la poster, puisque... Determination. Allez, je save ma Determination, on ne sait pas, peut-être qu'elle a été perdue. Oui, alors on appuie sur croix, 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 croix. Mais ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs que là, Undertale capte directement ma Dual Shock. Et ça, c'est beau. Merde. Après, bon, c'est juste des touches, voilà, des... Enfin, bref. Mais en tout cas, il la capte. Ah, il est gentil, le petit. Next time, let me to leave. Ok, and then I'll take care of this and get out of here. No, you are harder than that. J'ai rien perdu. Voilà, en fait, faut y aller tout doucement sur le bouton. Il n'y a pas besoin de s'exciter dessus. Par contre, j'ai l'impression que c'est toujours le même début. Ça, ça ne change pas. Non, mais là, il y a un problème. Là, je pense qu'il faut être décédé de la tête pour jouer à ce jeu, en fait. Mais attendez, mais le truc est super simple et j'arrive à me planter. Merde. Excusez-moi. Attends, il faut que je me calme. Désolé, j'ai les nerfs un peu en plot en ce moment. Il faut que j'arrive à me contenir. Et donc, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Hein, pour essayer, voilà, de me décontenir finalement. Le jeu vidéo, c'est quoi? C'est une purgation d'émotions. Et là, je viens de me chier dessus comme une merde. Et donc là, j'ai envie de jeter quelque chose dans la pièce. Ce que je vais éviter de faire, parce que je pourrais tuer quelqu'un. Tiflor, c'est déterminé. Mais je stay déterminé. J'essaye en tout cas. J'essaye. Et voilà, regarde, il se bloque. Yo. Non mais en plus c'est pas... Toby Fox s'est dit, ça sera amusant de refaire chaque fois le dialogue. Heureusement qu'on les fait pas entièrement à chaque fois, parce que... Là moi je décéderai déjà. Mais là déjà c'est beaucoup trop long. Et là, on en a rien à carrer de vos dialogues de merde là. Allez. Allez. Bon, encore ça va, il a été gentil, il nous a épargné la majorité des dialogues. On peut être remercié envers Toby Fox. Il n'y a pas de souci, moi je dis. Moi je suis pas du genre abandonné, moi. Putain, mais qu'est-ce que j'ai branlé? Pourquoi j'ai retombé en bas, moi? Non, là je suis, mais alors pas du tout concentré. On s'en fout, là on ne perd plus de vie, il n'y a plus besoin de rêver, perdre de vie de toute façon. Enfin, c'est bizarre, je sais même pas en fait comment me concentrer dans ce jeu, c'est incroyable. J'essaye d'adopter une vision d'aigle qui n'existe pas. Je comprends pas, à chaque fois c'est des patterns différents. Enfin, je ne comprends pas ce jeu, c'est ça. Je le comprenais avant, là maintenant à partir de ce boss là je ne comprends plus rien. Voilà.
comprends pas là. Tu comprends pas. Parce qu'encore, il y en aurait que deux. Tu te mettrais d'un côté, tu t'enlèverais quand le truc arrive. Mais là, il y en a trois, donc si tu restes au milieu, tu ne peux pas. Si tu restes au cache, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux rester nulle part en fait. Tu peux pas switcher entre deux, ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça dépend en fait. Faudrait que je me concentre sur autre chose. Moi, j'essaye de me concentrer quand le truc remonte. Enfin, c'est très compliqué en fait à faire. Enfin, je comprends même pas si vous comprenez ce que j'essaye de faire. Regardez, il va encore se bloquer. Casse tes couilles. Fils de pute, excusez-moi. Fils de pute sera retiré du montage. Enfin, si je le fais le montage. Il en a un fou de cette vidéo, on est déjà à 15 minutes, j'ai toujours rien fait. C'est notre troisième essai là, je ne sais même plus du web. J'en ai même. Je crois que j'ai ça à faire de compter de toute façon. Almon, on essaye de rester concentré, voilà, de ne pas perdre vie, d'aller plus loin possible. Parce que justement, c'est là où on va attraper l'expérience. Si je fais toujours la même connerie à chaque fois, on n'attrape rien. Je ne sens pas mon propre évolution, donc je ne sens pas d'expérimentation. Donc j'abandonne. Car mon cerveau, lui, se dira, bah, aucune raison de continuer, hein, c'était une grosse merde. Et là, j'ai chié. En fait, faire une vidéo, je pense pas que c'était une bonne idée, parce que là, faut que je me concentre à vous parler, et en plus, à parler à moi-même. Personne, déjà, mais déjà, voilà, le problème, c'est qu'il faudrait que je vous mette les touches que je clique, parce que... Déjà, vous voyez même pas ce qui se passe à l'écran, vous ne comprenez pas, hein, évidemment. Oh, vous avez vu là comment j'ai... Oh! Wow! Arrête de crier, Tiflorg. Calme-toi. Ah, je refais la même! Je fais la même connerie que tout à l'heure! Je sais pas comment le faire ce truc, je comprends pas. Alors, vous allez dire, Tiflorg il est complètement débile, mais moi j'ai pas encore la pattern en tête de comment faudrait que je fasse. Et donc à chaque fois que je suis là, je suis déboussolé, j'essaye de partir quand il faut pas. Et voilà. Alors là, le coup des vitesses différées, là, je vais lui prendre dans la gueule, ce fils de pute. Excusez-moi, j'ai pété un câble. Ah, on fait Trayston Penuo. Bah, disons qu'il va rester longtemps, merde! Pardon, excusez-moi. Arrête! Attendez, faut que je me calme. Il faut que je prenne des antidépresseurs. Où sont-ils? Oh là! Je sais pas pourquoi je prendrais les antidépresseurs, ça serait encore pire. De toute façon, j'ai pas d'antidépresseurs. Pourquoi je parle d'antidépresseurs? Comme si j'étais en dépression. Ah! Je crois que moi, ça délirait. In my way. Mais dépêche-toi! On peut pas faire plus vite, y'a pas un bouton Enfin, je sais pas. Undy, I'll take care of this, get off, enfin, putain, pute, pute. You gonna have to try. Arrête d'écrire, moi, vite! Excuse-moi, je m'énerve. The rain appears. Hop, 1, 2. Alors, encore une fois, je sais pas ce qui s'est passé. Vous allez pas me croire, hein. De toute façon, je sais même pas si c'est un incident de faire un mois ou plus, parce que de toute façon, les trucs sont définis, non? J'en sais rien. Ce serait... Ce serait ce que je fais ne sert à rien au début. Faudrait que je pas voir sur Internet. Non mais là, j'ai chié comme une merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a tourné, en fait, j'ai essayé de tourner, en fait, enfin, je sais même pas si vous avez aperçu ce que je viens de faire, là! Et franchement, là, avoir le joystick sur la DualShock, c'est quand même pratique, hein. Parce que faire ça tourner à la main, je vous dis même pas l'horreur que ça doit être. Et pourtant, il y en a déjà eu des trucs avant, comme ça, quand je joue au clavier. Non mais là, Alors là, mais attends, mais en plus je peux essayer. Genre je ne le tue pas, je ne fais que recouvrir à chaque fois. De toute façon, comme je l'ai dit, ça sert à rien de le tuer. Donc on s'en fout. Ce qu'il nous faut là, c'est avoir de l'expérimentation. Il est impossible que je gagne le match, on est d'accord. Donc lui enlever des vies n'a aucun intérêt. Donc à chaque fois, je devrais m'en prendre de la vie. On est d'accord de ça? Allez, on fait cette technique. Ah oui, mais là ça va pas marcher, Tiflorg. Parce que si tu meurs comme une merde, tu ne peux pas prendre des médicaments. Donc tu es débile.
You cannot give up just yet, Tifleur qui est débile. Stay determined. Oui, parce qu'en fait, c'est ça le truc. En fait, je sais pas, parce que je me dis, le fait de lui enlever les points de vie, ça sert à rien. Puisqu'il y a un nombre de manches limitées, non? Ou alors ça revient au début, ou ça se répète, je ne sais pas. C'est une bonne question, ça. Mais d'un autre côté, là, le fait est qu'il est impossible de le battre. On part du principe qu'il est impossible de le battre. Qu'elle est impossible de battre. Et donc, ce qu'il faut, là, maintenant, c'est que j'aille le plus loin possible dans le combat pour voir ce qu'il y a. Et pour, voilà, pour voir l'étendue de la marche manœuvre à faire effectuer. Et donc, à chaque fois que je me paume, il faut que je puisse me ressourcer en vie sans essayer à le battre. Après, je peux essayer de le battre justement quand j'ai de la vie à fond, là, je m'en fous. Mais voilà, quand j'ai plus, eh ben, on se permet. Voilà. De toute façon, on en a rien à foutre. Je fais ce que je veux. C'est ma vidéo, c'est mon jeu, c'est ma partie. Putain, même là, j'ai du mal, quoi. C'est dingue. C'est bizarre parce que la seule façon que j'arrive à me concentrer sur ce genre de truc, c'est justement de focus le regard, mais plus loin que le jeu est. Je sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire pas avoir le truc directement dessus, mais avoir un... Enfin voilà, faire en sorte que je ne focus le regard sur rien du tout, et donc que je vois à peu près la partout comment c'est. Je sais même pas si j'arrive à comprendre ce que je dis en fait. Déjà si, alors vous, je pense pas que vous compreniez. Non mais hey, vous avez vu, j'ai tourné, mais le truc était déjà rentré à l'intérieur. Donc là on s'en fout, on prend un crab apple. Non mais là je suis con. On s'en fout, on prend un crab apple. Il y a aucune raison que j'en prenne pas. En fait je réfléchis, mais en fait faudrait que je fasse, si un choc qui arrive en même temps que lui est déjà là, il faudrait que j'y aille, je pense. Je comprends même pas ce que je dis, mais je crois que ça doit être ça. Alors là j'ai même pas vu venir lui hein. Alors là, mais là j'étais pas du tout concentré, je pensais que c'était un truc plus simple que ça. Mais attendez là! Mais attendez, attendez, dites-moi qu'il y a, dites-moi que c'est impossible et qu'il y a un piège. Il est où Marcel Béliveau là? Non mais... attendez là, attendez, je comprends pas. Attendez, je réfléchis à ma condition humaine, je réfléchis au suicide, je réfléchis au fait que je suis au deuxième étage et qu'il est possible que je meure directement en sautant par-dessus la fenêtre, mais je vais éviter de parler de ça parce que là, il y a une suicide qui va être appelé, qui va être convoqué chez moi. Donc non, 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 ne vous inquiétez pas, je n'ai pas prévu de me suicider dans les minutes qui suivent, hein. Je vais essayer au moins d'y jouer encore pendant une heure, ne vous inquiétez pas. Attendez, je réfléchis. C'était pas possible, hein. Attendez, d'accord que c'était pas possible. Attends, le truc tournait... à donf, c'est-à-dire que à la milliseconde près, t'avais même pas le temps de le toucher, quoi. C'est... Et puis voilà, si tu te loupes, c'est pas juste les petits points de vie qui est enlevé, c'est toute ta putain de vie qui est, ah, qui est coupée par morceaux de 42. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce jeu de merde, quoi. Et c'est bizarre parce que, voilà, il y a déjà eu quand même beaucoup de boxe où j'avais un peu de mal, mais là j'ai l'impression, mais là c'est complètement insane. C'est plus insane qu'avant, enfin c'est bizarre, j'arrive pas à situer la démarche du truc, là. J'ai l'impression que c'est encore plus dur qu'avant. Et c'est le cas. C'est plus dur qu'avant. Attends, il y en a qui m'ont conseillé de prendre des notes durant le boss parce qu'il était tellement dur à... C'est pas faux en fait, je pense qu'on va commencer par faire ça parce que là j'en ai ras le cul en fait. Je pensais que j'allais retenir un... Mais en fait tu peux pas parce qu'il faut te concentrer sur les trucs, faut les anticiper, c'est ça, c'est pas... Ben, je sais ce qui va arriver, non, tu ne sais pas. Donc 1. Donc tuto... Attends, comment pour... Tuto flèche. Tuto flèche... en boucle. Je me comprends. Donc c'est ça le premier, tuto flèche en boucle. Bon. 23 minutes. On se dit une heure et demie? Allez, une petite heure et demie au pire. Moi je me suis dit en boucle, donc je vais faire une boucle. Boucle demi-tour. Allez, on va mettre ça parce que sinon ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc là c'est du gauche-droite rapide.
Ça, c'est lenteur maximum. Lol. Mais putain, qu'est-ce qu'il a mon stylo là? Il est pété? Mais putain. Lenteur maximum. Bah flèche et flèche toujours, hein, c'est du flèche hein. Attends, je vais mettre F, F, F pour flèche. Donc là c'est les épées, regardez. Des flèches. Mais c'est des flèches aussi! C'est des flèches ça, merde! Ah, il m'a bien niqué hein! Donc je vais mettre non, je vais l'appeler. Bah épée. Épée. E. Bah oui, mais E, ça ressemble au F, je trouve. Je vais mettre épée. Épée fonce. Épée grand. Putain, mais je mes mots-clés sont à chier. Ah putain. Là j'ai encore du mal à faire comment. Donc là c'était les. Ah bah non mais ça c'est encore des épées en plus. C'est épée petit. C'est PE. Épée petit. Épée petit 3. Épée E3. Parfait. Épée 3. Épée petit 3. Ça veut rien dire. Mais non mais je suis con, j'aurais dû prendre des potions. Chance, chance. Eh mais attendez, mais en plus j'ai pas vérifié mes, mes compétences avec les... Donc c'était du lent plus rapide. Donc c'était ça. Donc F très rapide. Plus gauche, haut, droite, haut, etc. Ouais, c'est ça, c'est gauche, haut, droite, haut, gauche, haut, droite, haut. Toujours comme ça. Oh putain, c'est l'apparition de ces merdes là en plus. Donc là, ça fait. C'est gauche, haut, gauche. Gauche haut. Ah ah ah, c'est pas drôle putain. Plus, ensuite on a gauche haut et à l'envers. Donc droite bas. Voilà. C'est ça en fait. Faut arriver à prendre les patterns et à les traduire directement. Pas essayer de les traduire en cours de route. Les anticiper donc. Eh mais attendez, mais je l'avais pas vu cette pattern de mon cul là. Mais qu'est-ce que c'est que cette pattern de mon cul, je comprends les... Et puis moi je reste... Non là j'étais surpris là. Bon 9. Et en plus je crois que j'avais jamais vu celle-là. Donc vu qu'elle m'a surpris. Donc on a avancé depuis que je l'ai fait. Donc ça c'est cool. Donc flèche épée on va l'appeler. Épée. Donc c'est la phase 2 de l'épée. Épée cercle. Grand. Ça veut rien dire, on s'en fout. Épée cercle grand. Est-ce que ça veut dire quelque chose mon ami? Non. C'est une note, hein. Oui, c'est ça que je voulais voir. Est-ce que j'avais pas une meilleure attaque, une meilleure défense? Surtout une meilleure défense pour le coup. Stat. J'ai une défense de 7. Ce qui est à chier. Et j'ai. Quoi? Non, je crois que j'avais changé. Hein. J'ai été dans mon coffre. Je sais plus. En fait, j'ai la flemme d'aller rechercher quelque chose qui va de toute façon ne pas marcher. Donc, je vois pas l'intérêt. J'ai 7 de défense. Est-ce que j'aurais pu trouver mieux que ça? Je pense pas. Hein. Et se trouve là, tout le monde va me dire, ah là, mais non, t'as pu trouver, il y a un truc de 10, machin, qui en plus fait ça, machin. De toute façon, je pense qu'on est en génocide, donc plus personne n'a envie de me vendre des trucs. Hein. Alors, je sais pas combien de phases, et on va y arriver. Puis là, en fait, je vais aller tellement loin dans le truc, ça servait à rien. Parce qu'il faut le tuer. Enfin, faut la tuer, hein. Bref. Donc, tutoriel. Oui, parce que je suis con, maintenant, faut savoir ce que je fais. Tutoriel demi-boucle.
c'est pas encore ça. Hein. Et donc maintenant c'est flèche gauche droite rapide. Merde, c'est quoi maintenant? C'est max. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah non, c'est lent. Lenteur max. Bon là j'ai pas tout compris mais c'est pas grave. Parce que quand j'essayais d'en avoir un, bah j'étais trop tard ou trop tôt, bah. Donc bah voilà. Et là c'est épais. Mais putain, mais je lis même pas ce que j'ai lu comme note. Donc je suis surpris. Ouais, je pense qu'il faut faire des 8 là, ça pourrait marcher. Donc après là on a petit, le petit, donc le petit que je déteste, hein, que je n'ai toujours pas trouvé la pattern. Non mais là c'est complètement du pifomètre que je fais. Hein. Je comprends même pas ce que je fais en fait. Je pense qu'il faut pas que je le fasse sur le... Faut que je le fasse sur le côté en fait. Je reste sur le côté, s'il est bon j'y vais. Ah je sais pas. Je pense que c'est mieux que faire comme ça, non. On va essayer ça. Donc là j'ai fait de la merde parce que j'ai même pas lu ce qu'il fallait faire. Donc là c'est lent plus rapide. Et donc maintenant c'est très rapide gauche droite haut gauche droite A. Gauche droite haut gauche droite haut. Mais non, gauche haut droite haut gauche haut droite haut. On va y arriver. Voilà, mais non, mais j'ai chié en fait là, c'est incroyable. Mais j'ai compris le principe. Après nous avons flèche gauche haut à l'envers. Flèche gauche. Non, gauche haut. Alors je sais même pas ce que je fais en fait. J'ai essayé de faire la même chose mais de l'autre côté, mais en fait ça n'a pas marché parce que faut aussi que je me calibre de l'autre côté. Je pense que j'ai pas du tout me calibrer. Par contre le dernier là je comprends pas. Donc il y en a plusieurs que je ne comprends pas. Alors le 8 je ne comprends pas. Hein, bah les deux derniers je ne les comprends pas. Et l'épée petit 3 je ne le comprends pas non plus. On va essayer de se mettre à droite pour les petits TP. Non mais voilà, il faut se trouver des petites patterns. Parce que ça m'a l'air faisable comme boss. Ah, il faut juste... je sais pas si je vais résister aussi longtemps. Peut-être que je vais commencer à tomber dans un délire. Ce qui est possible, je délire régulièrement. Alors ça m'étonnera pas que je délire sur ce jeu. Ferme ta gueule petit con, la dégage, tu me casses les couilles, ça fait quand même la cinquième fois que je te vois ici, qu'est-ce qu'il me rend ici lui? Oh, you're gonna to hurt quoi, y'a pas de... Y'a rien à foutre, non j'ai même pas ça. Ferme ta gueule. Donc là, tutoriel. Ah oui, parce qu'il va en haut et après il retourne pas en haut hein. C'est pas évident en fait. En fait c'est pas de l'anticipation, c'est du timing le truc. Parce que si ce serait de l'anticipation, il faudrait que je sache quoi mettre avant de le voir. Parce que là c'est pas le cas, parce que là il faut le voir avant de le... Enfin bref, je me comprends. Donc là, on a lenteur max, on vient de le faire, donc là, ça va être épais grand. Donc j'avais dit faire des 8. C'est pas beaucoup. Mais le principe est là, je pense que faire des 8 ici, ça peut être plus simple que de ne rien faire du tout. Donc j'avais dit rester sur le côté gauche, ou dans vous. C'est ça, mais ouais, c'est compliqué de se calibrer sur le reste en fait, c'est ça en fait le truc. Parce que c'est pas juste du gauche-droite, c'est du gauche-droite. Ça c'est du gauche. Bah c'est compliqué en fait, c'est plus compliqué que ça en a l'air, c'est ça qui est étrange. Parce que le fait qu'il y a un nombre impair, ça tu peux pas te calibrer sur un tempo en fait. Y a pas de tempo là, le tempo est complètement désaxé. Et j'ai même pas lu ce qu'il fallait faire. Donc là c'était le lent plus rapide. Donc maintenant c'est très rapide gauche, droite, haut.
Alors, je sais pas comment j'ai fait pour perdre la vie au début. Hein. Faudra revoir le ralenti, mais vu que. Enfin voilà. Je ne comprends pas celui-là. Et donc là, c'est les cercles grands, donc là, j'ai vraiment beaucoup de mal aussi. Là, j'ai l'impression que je me plante à chaque fois en fait. Putain, mais au moins que j'arrive là, quoi. Ouais. Donc là, c'est le dixième. C'est la même. Mais c'est la même. Il est complètement bourré, ce jeu-là. Ou alors, ça veut dire que j'aurais dû le tuer là, non? Donc le 10, la même. D'accord. Alors là, je sais pas pourquoi. Je sais. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait, les mecs? Alors, on fait exactement la même, bravo. Excellente idée. Ou alors, ce qui va se passer, c'est que, vu que j'étais censé la tuer à ce moment-là... Non, j'en sais rien, en fait. Donc on a deux fois la même chose au numéro 9 et 10, apparemment. C'était terrible, c'est terrible, c'était... Là, j'en ai ras le cul. Là, ça me casse les couilles d'une force. Donc, première. Demi-boucle, il n'en est pas une. Et donc là, j'ai chié. Voilà, il faut juste se concentrer sur ce qu'ils arrivent. Donc là, on a du... Putain, mais je me suis encore chié dessus. Là, il y en a deux qui étaient collés à... Donc je pouvais pas les éviter, enfin, je pense pas. Donc là, c'est lenteur max. Voilà, j'ai même pas fait du 1000, encore une fois, c'est assez grave. Quoi? Ah oui, mais attendez, mais j'ai comment bah, c'est carré ou pas, là? Parce qu'il me semblait qu'ils étaient arrivés avant les autres. Donc là on a épée en grand. Donc le seul... Bah elle est pas très grand lui. Mais... C'est la seule fois qu'on a ça a priori. Non, on a les épées petites. Donc on va se mettre sur le côté gauche. Voir si ça marche. Oui, parce que s'il n'y a rien à côté, autant se mettre à côté directement. Et s'il y a quelque chose à côté, bah on y... On attend qu'il passe et on y va. Je pense que c'est ça. Là, je ne comprends pas cette pattern-là. Celui-là, je la passe, mais en mode bourrin. Long plan plus rapide, très rapide. Ah oui, là, c'est gauche-droite rapide. Eh mais là je comprends pas, les trucs qui bougent directement, t'as pas le temps de réfléchir en fait, t'as pas le temps de te dire attends c'est lequel que... Mais oui en fait parce qu'en plus c'est pas en bougeant vers eux, faut attendre qu'ils prennent le truc et que tu bouges après. Si je me comprends. Et donc là c'est épée, cercle en grand et elle l'aura deux fois. Cool. Mais c'est le truc terrible, c'est qu'ils tournent en même temps. C'est pas juste ils arrivent et que t'as le temps de bouger, c'est-à-dire qu'il faut que t'attendes qu'ils arrêtent de bouger pour pouvoir bouger. Non mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Je dis pas qu'on va finir pendant cette vidéo, mais au moins que j'avance, quoi. Parce que là, le commissaire j'avance. Joué par Bernard Tapie, il va pas faire long feu, là. Oui, je sais, j'essaie de faire des jeux de mots en direct devant 36... Les auditeurs. Je clique sur quoi? Je clique sur quoi? Je clique sur quoi? De surcroît. Ah! Excusez-moi, j'ai voulu doubler le truc. J'ai juste dit le dernier mot. Alors pour ceux qui ont fait un arrêt cardiaque, j'en suis navré. Mais je rembourse toute dépense en termes de pompes funèbres. Et j'oublie de regarder mes notes, je suis vraiment très con. Donc, maintenant c'est gauche-droite rapide. Maintenant c'est lenteur max. J'ai réussi à me planter alors que c'était super simple. Incroyable.
Allez, paix grand. Là, j'avais dit que je faisais des 8, ça ne marche. Apparemment, c'est une pattern qui ne marche pas. Ah, si ça marche à peu près, mais non. Mais lui m'a coupé la route, là. Ça ne marche pas du tout, le 8, sur celui-là. Là, c'est le petit. Donc, on va essayer de se remettre à droite. Ça marche à peu près, sauf qu'il faut attendre que le truc passe avant d'y aller dedans, espèce de con. Donc là, c'est lent plus rapide. Donc là, je ne comprends pas cette pattern, je vais me planter. Mais en fait, c'est du lent plus rapide, mais c'est juste les deux derniers qui sont lents, donc on s'en fout. On va y arriver. Et donc là, le prochain, c'est très rapide, gauche-droite. Haut. Non, c'est gauche-haut, droite-haut. Je vais pas la réussir une fois celle-là, hein. Je sais même pas comment c'est possible. Là c'est maintenant c'est du gauche, gauche haut à l'envers. Je comprends pas. Je comprends juste pas, je sais même pas ce qui vient de se passer. Donc là maintenant c'est du épais cercle grand deux fois de suite. Que je rappelle que je n'ai toujours pas compris. Ouais, faut se dire, allez, on reste à gauche et on tourne à dos, gauche. Bon, on va faire ça. Hein. En fait, c'est super simple, hein, ça le dire. Mais oui, mais j'étais bloqué là sur l'écran. What? C'est passé quoi là? Donc là, le 11, je ne sais pas. Oh, et vous avez vu ce qui vient de se passer là? Alors là, même pour moi, celle-là, ça doit être du truc par cœur, quoi. Faut que tu le saches avant de le faire. Donc là, le 11, truc, alors je mets truc impossible, super rapide, F, super rapide, et là, super rapide, avec, en, à l'envers, plus normal, plus l'envers. On met le, à le. J'essaye de trouver des allez, allez vers. LV, tiens. Ça ferait un très bon. Donc là, par contre, la pattern à. Je ne le comprends pas. Déjà, les trucs à l'envers, là. Même avant, je ne le comprenais pas, cette mécanique. Je me plantais tout le temps. Parce que c'est une mécanique qui est tellement absurde. Qui. Enfin, voilà, qu'elle te prend la tête maximale. Je ne l'ai pas encore assimilé, en fait. Et pour moi, voilà, les fois où il y avait ça dans les anciens trucs, c'est. Voilà, j'essayais de pas me planter, mais. Je comptais sur mes. Sur mes kits de soins pour réussir et me re-soigner après, c'est une terrible attaque. Undyne, you're hurt. It's nothing. Next time. Listen wait and tell you to leave, ok? Undyne, I take care of this. Get off of here. You're. Il n'y avait pas de R. Non, you're gonna have. Tu vas trahir little plus, un peu plus que ça. Un peu. Donc là, tuto. Et là, j'ai chié le tuto. Bravo. Simple. Tempo, parfait. Gauche-droite, rapide. Lenteur, max. Alors celui-là, mais voilà le truc, c'est que c'est du hasard complet quoi, tu peux pas. Là c'était super dur parce qu'il y avait. Je sais pas en fait ce qu'il fallait faire là, c'est ça qui est neuf. On essaye ma technique du 8. Ça a l'air plutôt de marcher. Pas tout le temps. Ça marche à peu près, on va dire. Et là le petit 3 que je n'ai jamais réussi encore. Là j'aurais pu réussir parce que justement c'était des bons trucs mais j'ai quand même réussi à me planter. Ce qui est pas mal. Donc là c'est rapide et les deux derniers qui sont super lents. Donc rapide. Mais non en fait ils sont. C'est trois différents. C'est rapide, moyen. Et les deux derniers qui sont lents. C'est ça le truc. Il y en a des moyens, c'est ça en fait le truc qui est super dur.
Et donc le prochain c'est du... Attends, non. Voilà, le prochain c'est du... Gauche, gauche, haut, droite, haut. Super rapide. Toujours pas compris comment fallait faire. Pas grave. Ou toujours pas compris pourquoi je me suis fait toucher en tout cas. Épée, cercle grand. 2 fois de suite. Donc là, ce que j'avais... Non, c'est même pas ça, attendez. Ah non, c'est le... Que j'ai toujours pas compris d'ailleurs. J'ai toujours pas compris. Mais faudrait que le jeu aille moins vite là, je comprends pas. Sur le truc qui tourne au dernier moment, ça me casse les couilles. Hein. Celui-là en plus c'est super simple. Faut juste aller à droite, à gauche et puis voilà. Après faut revenir, ça le truc. Donc là on a dit que c'était quoi? On a dit super rapide, à l'envers, normal, à l'envers. Ce qui est impossible, je le rappelle. J'ai envie de bouffer le Snowpiece là. You are the snowman. You are the snowman. Oh putain, mais j'ai réussi en plus. J'ai réussi, mais en fait c'est le... On perd pas beaucoup de vie, ça dure pas si longtemps que ça, donc ça va. Alors là c'était vitesse normale mais avec des trucs à l'envers qui se mettaient à l'intérieur. Donc c'était le 12ème. Donc F normal plus ALLV. Plus entre parenthèses un peu. Je sais pas si je me mets un objectif genre aller jusqu'au 15ème ou un truc comme ça, parce que je sais pas où est la fin en fait, parce que je me dis bah autant aller plus loin possible. 15ème, je sais pas. Bah maintenant, mon but c'est d'aller plus loin que le 12ème, donc le 13ème. Si je peux monter à chaque try d'un seul truc, c'est déjà pas mal, moi je trouve. Si j'arrive à me planter plus tôt que celui-là, c'est que ce serait quand même ballot. Hein. Et de peaufiner mes patterns sur les anciens. Sur les premiers en tout cas. Donc en fait, les notes, ça sert, c'était obligatoire en fait, parce que tu peux pas retenir le truc par cœur. Et admettons, t'as un moment d'inattention, merde, t'es obligé de... Et puis voilà, il y en a de trop en fait, tu peux pas les mesures. En plus, ils sont beaucoup plus... Voilà, quand tu fais comme ça, tu te dis pas il y a des différences. Mais quand tu les notes, tu te dis, ah ouais, comme il y a une espèce d'évolution à l'intérieur qui est quand même bien établie. Hein. Ça a été établi à l'avance, tout ça. Même si, effectivement, on peut voir qu'il y a des différences aléatoires, il y a une pattern qui est toujours là à chaque fois. Donc là, le tuto. Waouh, vous avez vu, ça, c'était le bruit comme ça. Putain, il m'a fait flipper, mais c'était le bruit de la du coup critique, quoi. Je sais pas si ça sert à quelque chose de faire des coups critiques. Je pense que oui. Hein. Je me suis chié dessus, je me suis chié dessus, je me suis chié dessus. Je me suis chié dessus, je me suis chié dessus. J'ai réussi à me planter, oui. Oui. Oui, j'ai réussi à me planter, c'est incroyable. Et donc là, c'est l'épée grand. Un petit 8. Là je sais même plus où je suis en fait. Petit maintenant, petit 3. Donc là c'est là je pense à réussir. Ne faites aucun commentaire s'il vous plaît. Donc là il y a du rapide, moyen. Mais en fait, ouais, c'est au bas, hein. À la fin, c'est au bas, attends. Fin. Oh. Yeah. Parce que moi, j'essaie toujours de faire bas-haut, mais ça marche pas. Hein. Si, là, on peut prendre le Snowpiece, je pense. Après, c'est gauche, haut, droite, haut. Mais en fait, je crois que je me barre trop tôt. Mais je pense qu'il y a un décalage à un moment. Je pense que c'est ça le piège. Épée cercle grand, deux fois de suite.
Je suis bleu. Mais oui, en fait, ce qui est con, c'est qu'il te bloque à la fin. En fait, ce qu'il faut faire, c'est aller directement là. En plus, t'as vu, la hitbox, elle te touche pas directement. Hein. Il y a une espèce de... Et donc là, maintenant, c'est super rapide à l'envers, normal. Et là, c'est le truc que j'ai planté, que j'avais planté, c'est normal plus à l'envers un peu. Oh putain, mais j'aurais pu l'avoir là, putain, mais j'ai chié là. En plus, c'était simple parce que les trucs là, là bizarrement, là, c'est plutôt simple parce que les trucs vont assez lentement, donc t'as le temps d'anticiper pour le coup. Donc là j'ai chié. Donc j'étais aussi loin que tout à l'heure, donc ce qui est plutôt, voilà, c'est pas une régression, mais j'ai pas, fait grand chose en fait pour aller un petit peu plus loin. Je me suis surtout planté sur des trucs basiques. J'aimerais quand même aller jusqu'au 15, quoi, jusqu'au 15e. Ça serait pas mal, je pense. Donc là tuto. Et là j'ai chié, bravo Tiflor. Là on est du gauche droite rapide après. Après on a du lenteur max. J'ai l'impression d'avoir eu deux en même temps là. Alors on était donc lenteur max, donc là ça va être le truc en grand. Eh, j'ai pas perdu de vie encore, c'est pas grave. J'ai pas perdu de vie, je me fais toucher deux fois, bien sûr. Petit 3. Oh, j'ai réussi à passer celui-là. En fait, il est super simple. Donc là, c'est rapide, moyen. Et les deux derniers, c'est au bas. On a sauvé les meubles. Gauche-droite, super rapide. C'est pas du tout ça que je fallait faire. J'ai complètement paumé le rythme en fait. Parce que ce qui s'est passé en fait, là, je me suis dit gauche-droite, super rapide. J'ai fait gauche-droite, super rapide. C'était pas ça du tout. C'était gauche-haut-bas. Oh merde, bite. Là j'ai chié. Là ça va peut-être me compromettre le. Là j'ai chié. Donc là c'est gauche-haut à l'envers. Le fameux gaucho. Il y a un problème là, franchement pour moi il y a un problème. Il y a un truc que je comprends pas sur celui-là. Donc là cercle grand deux fois. Je sais pas pourquoi deux fois, ils se sont dit ça va être cool. Jamais autant planté dessus, hein, c'est incroyable. J'aurais pu mourir, ça aurait été pareil. Super rapide à l'envers, normal. Alors là, j'ai plus de vie, donc ça va être difficile. Ah, d'accord, ils m'ont mis au début. Attends, c'est déjà. Mais rapide à l'envers, normal à l'envers. Mais oui, en plus, ça a toujours été comme ça, mais je crois que j'étais déjà au 12. Ouais, bravo Tiflor, il s'est planté au 11. Bravo. Bah oui, puisqu'il pensait que faire le 12. Ouais, qui est intelligent. Non, mais surtout, si je me suis planté, un truc que j'aurais pas dû me planter. J'ai loupé toutes mes vies dessus alors que j'aurais dû perdre aucune. Peut-être une seule finalement. Non, mais là, une fois que t'as une vision assez. Une vision globale, t'es pas paumé dans un. Franchement, ça va. Tu gardes foi. Gauche droite rapide. Lenteur max. Je sais plus quoi faire. Ah, j'ai perdu mes moyens.
J'ai perdu mes moyens, j'ai perdu mes moyens, on fait de l'épée grand. L'épée grand, on fait de l'épée grand. Oh, je fais pas du tout du 8, j'essaye de trouver des trous. Et ça marche plutôt bien apparemment. Maintenant on fait du petit 3. Yes. Non mais c'est bien parce que quand tu arrives dans une connerie, tu la continues jusqu'à la fin parce que tu sais plus quoi faire. Voilà, c'est ça en fait. Quand tu te calibres sur une connerie, il est très difficile de se décalibrer. Voilà, et vu que j'étais pas du tout concentré, que j'ai fait de la merde. Donc rapide, moyen. Donc là en fait, voilà, là je reviens de refaire la connerie suprême de tout à l'heure, sauf que je l'ai fait plus tôt qu'avant. Et donc voilà, rien à dire. Donc là on va sur du rapide, moyen et au bas. Voilà. Celui-là est simple, mais j'arrive à me planter quand même. Et là on va sur du gauche, haut, droite, haut, là où je m'étais planté tout à l'heure. Là je sais pas où j'ai paumé mes points, mais c'est ça en fait, ça va tellement vite là que je comprends même pas où je plante. Et là on fait du gauche, haut, et après on va à l'envers. Oh, j'ai chié là. J'aurais pu faire un sans faute. Non, je suis con là, je m'en manque des villes. Non, mais là, je vais directement sur la pointe, mais il faut vraiment être débile. Hein. C'était chaud là. Donc là, maintenant, on fait du. Les cercles grands, on les a fait donc super rapide à l'envers normal. À l'envers normal, attends. À l'envers, normal, à l'envers. J'ai l'impression qu'ils font le tour, mais j'ai pas l'impression en fait. Et là, c'est normal à l'envers un petit peu. Pff, alors là, j'ai rien. Même les normales, j'ai même pas réussi les. J'étais trop occupé avec les autres. Et j'étais trop occupé à anticiper les autres pendant que je loupais les autres. C'est très très fort de ma part. Bravo Tiflorg. Incroyable. Tiflorg, bravo. Et je me bloque encore sur la rentrée du pont. Ah. Bon allez, on se dit, là il est 23h33, je me dis à minuit, non peut-être pas, je sais pas en fait si j'abandonne, pour quel intérêt serait d'abandonner, c'est ça le truc. Non on a dit qu'on allait jusqu'au 15, donc si ça durera jusqu'à 3h33 du matin, et bah ça durera jusqu'à 3h33 du matin. Enfin je sais pas si j'ai envie de terminer, en fait je pensais que j'allais entrer dans une espèce de transe de délire finalement, je suis plutôt trop stable à mon goût, il faut que je rentre dans une période de délire, mais je ne sais pas en fait, parce que moi qui pensais que j'allais tellement me déchirer la tête sur ce truc parce qu'il allait tellement super dur, mais en fait il a pas l'air si dur que ce qu'il en a l'air finalement. C'est Undertale, hein, c'est un jeu qui est incroyablement bien construit. Personne n'a rien vu. Gauche droite très rapide. L'autre c'est quoi? C'est lenteur max. Ah, ah, oh le truc de merde que je t'ai fait là, incroyable. Donc là, épée grand. En fait là faut juste chercher les trous je pense. Regardez voilà, et puis éviter, essayer de passer par derrière et pas par devant. Là c'est petit. Mais oui parce que vu que le truc se décale à un moment, là j'ai chié mais incroyable, ça fait de pète depuis le début que je me suis pas autant chié dessus là. En fait le problème dans celui-là c'est quand tu arrives à te décadrer. Parce que vu qu'il y a un décadrage et que t'étais rentré dans une routine, et bah ta routine se débloque et justement ta routine se bloque à chaque fois. Si vous comprenez ce que je veux dire. Et donc ça c'est très très malin. T'as vu cette petite énigme, cette petite pattern qui a l'air toute conne au début tu te dis. Mais qui est très vicieuse, la vicieuse, je la trouve vicieuse. Bah cette pattern elle est vicieuse, peut-être la plus vicieuse de toutes les patterns tu vois donc.
Parce qu'elle a l'air toute conne en fait, mais non, c'est celle où je... Non, en fait, elle est simple, c'est juste que si t'es... Si tu te mets dans une position de confort et que tu restes sur une... Justement sur une... un tempo, bah t'es mort. Faut pas rester sur un tempo, sur celle-là, faut toujours être aux aguets. Y'a pas de tempo sur celle-là. Le tempo, il va te faire foutre, voilà. Yona, y'a un certain tempo à prendre, ou un certain rythme à utiliser visuellement. Là, c'est... Ouais, aussi, enfin... Faut réussir à recalibrer ta pattern à chaque coup, en fait. Donc y'a pas de pattern, puisque c'est plus rééquilibre, en fait. Gauche-droite très rapide. J'ai failli me planter, vous avez pas vu, mais mon truc bleu est mis, s'est mis en bas parce que je clique en bas parce que je suis débile. Lenteur max. Oh putain, deux trucs enlevés, vous avez vu deux trucs enlevés là, c'est vraiment abusé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, bah c'est le grand. Donc on a dit, voilà, il faut trouver les trous et passer par derrière. Bah oui, je suis carrément passé, je suis carrément pris sur derrière. Wow! Vous avez vu là, j'ai failli. Et là, il restait 8 millisecondes de plus, c'était mort. Donc maintenant, le petit, celui que je me suis bien planté tout à l'heure. Mais voilà, le truc là, il y avait une pattern là, t'as vu, il y avait le tempo, donc il est sain de le réussir celui-là. Et j'ai réussi à me planter, non, je sais plus en fait. Je pense pas, puisque j'ai toujours le même nombre de vie. Donc là, maintenant, c'est rapide, moyen et fin ou bas. Rapide, moyen. Mais le truc, c'est qu'ils arrivent en même temps. Ils arrivent en même temps. C'est ça, tu te dis, attends, je vais essayer de prendre celui-là, mais non, il arrive. En fait, le plus vite, faut le prendre directement en fait, je pense. Y'a pas à réfléchir, s'il y en a un qui va plus vite, tu le prends. Parce qu'il va forcément arriver avant l'autre. Enfin, je pense. Gauche, haut, droite, haut. Là, je comprends toujours pas. Mais en fait, je crois que je tourne directement et j'ai pas le temps de prendre le cœur. Enfin, le cœur, les flèches. Donc maintenant c'est du gauche haut et après on fait à l'envers. Donc celui-là j'ai toujours pas réussi il me semble. Oh! J'ai toujours pas réussi! Qu'est-ce que je suis trop fort. Donc maintenant épée cercle grand deux fois. Putain mais je suis débile, j'oublie de tourner moi. Et encore un autre donc. Je pouvais pas m'en prendre plus en fait. Donc là on va prendre la boule de neige parce que là je suis à 1 PV, hein, c'est impossible. Je savais même pas que c'était possible d'aller à 1 PV. Donc maintenant super rapide à l'envers. Attends, à l'envers, normal à l'envers. Incroyable, je me suis niqué toutes mes vies. Normal à l'envers un peu. Alors là, le 13ème, on l'a jamais eu. Mais elle est super simple. Elle est super simple, j'ai compris directement la pattern d'un coup. Elle est super simple. Donc là c'est des flèches, c'est normal plus à l'envers. Donc là c'était le 13. Alors maintenant le... Là j'ai plus de vie par contre. Enfin j'ai plus de potions. Donc maintenant le 14ème. Apparemment c'est super lent. Attends, ne décroche pas. What? 14ème super lent. Mais c'est super con. J'ai réussi. Lenteur max on va l'appeler. Et là, donc là, je vais faire le 15ème, c'est dingue! Je sais plus s'il m'en reste de ça. Ouais, j'en ai plus parce que je peux plus cliquer dessus. Je peux.
D'accord, en fait, c'est des trucs qui te... Donc 15 épées. Là, c'est la pattern. Je sais même pas comment l'appeler en fait. Oui, en fait, du 13-14. 13-14, elles sont pas si difficiles que ça. Épée. C'est pas du cercle, c'est du piqué, je dirais. Épée piquée. Grand. Des épées en piqué. Je sais pas combien il y en a encore, mais. En fait, la vie, les potions, elles servaient à quelque chose, en fait. Parce que tuer le truc, je sais pas si c'est un intérêt, en fait. Je sais pas, en fait, si c'est possible de le tuer avant. C'est une bonne question, ça. J'en sais rien, en fait. Parce qu'en soi, si tu fais de cette façon-là, il n'y a pas de fin. Y a pas, c'est bon, c'est fini. Regardez, voilà le nombre fini de patterns. Ben non, c'est ah, si, justement, il y a un nombre fini de patterns. C'est pas, ah, bah, c'est bon, t'as réussi à me tuer avant que je finisse toutes mes patterns. Bravo, ben non, ça me semble débile. Donc, fais cette façon. De toute façon, vu que voilà, là, ça marche plutôt bien parce que je vais de plus en plus loin. Donc, si je vais de plus en plus loin et que je gagne, ça va aller. Qui dit que je vais de plus en plus loin dit que j'ai plus de chances de lui taper dessus. Bref, tuto. Bah, de toute façon, là j'ai dépassé mon 15ème, donc je me dis, bah, mon objectif est fait. Donc je suis content. Flèche gauche, droite, rapide, rapide, flèche gauche. Oula, et là, dès le début, je me suis dit, je vais me paumer, j'ai pas le truc, je suis en retard. Et finalement, j'ai réussi. Là on est lent. Mais c'est sûr parce que quand tu te loupes sur celui-là, c'est impossible de te reprendre parce que tu vas essayer d'en reprendre un autre mais c'est mort. Tu l'as loupé aussi, logique. Parce que l'autre est déjà passé. Donc c'est con. Donc là c'est grand. Oh là là, là c'était chaud. Oh. Ouh là là, et là je me suis fait toucher, limite j'ai touché moins les box que les autres fois, c'est n'importe quoi. Là je fais de la merde, mais c'est pas grave, de toute façon il faut bien que je me fasse toucher des fois. Hein. Je suis pas invincible. Hein. Faut se pardonner quelques fautes. Là maintenant on a du rapide moyen et au bas. Et priorité au rapide. Je sais pas ce que j'ai fait, mais ça va. Et là, gauche haut, droite haut. Bah oui, mais là, j'ai l'impression que j'ai mis trop de temps à remonter, donc je me suis fait tuer dessus. Dommage. Faut pas tout avoir. Hein. Donc là, gauche haut et à l'envers. Mais oui, mais là, je sais pas ce que j'ai fait, je me suis planté et j'ai pas réussi à reprendre le fil, en fait. C'est ça. Le problème avec ce boss, c'est qu'une fois que t'as perdu le fil, c'est mort. C'est comme ça. Et donc, après, nous avons... Bah, oui, on vient de faire gauche haut et à l'envers, donc ça va être le cercle grand, deux fois de suite. Bon, parfait, je vais pouvoir prendre le slowpiece. Donc la deuxième fois la même chose. Putain mais je me suis vraiment planté. C'est dingue parce que des fois il y a des trucs comme ça, je me plante jamais, là je me plante tout le temps. Super rapide à l'envers, normal à l'envers. Allez casse-gueule, les trucs à l'envers je trouve que c'est ça casse-gueule. Mais non, normal et à l'envers un petit peu. Mais en fait, les trucs à l'envers, là, faut rester dessus. Et là, j'ai paumé tous mes items. Mais parce que là, en fait, là, c'est à l'envers contraire. C'est ça, en fait, qui est piège, normalement. C'est-à-dire que là, faut changer. C'est exactement le même que l'autre, en fait. Et là, je me suis chié dessus, mais de toute façon, je pense pas que j'aurais réussi à faire les autres. Donc, j'aurais pas été plus loin qu'avant. Mais on va réessayer de retourner au 15 pour essayer de le comprendre, mais bon... Là, je pense qu'on est plutôt bien. On va essayer jusqu'à minuit, puis je vais arrêter. Voilà. Quoique, je sais pas, en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter?
Est-ce que j'ai pas la motivation, moi, là? Et qu'est-ce que je vais faire si j'arrête? Je ne sais pas. Quel est l'intérêt pour moi d'arrêter maintenant? Qu'est-ce que je vais faire qui va pouvoir m'épanouir? De bonnes questions, ça. Ça fait mal, ça. Gauche, droite, super rapide. Lenteur max. Grand. J'ai l'impression que c'est un peu du pifomètre ce que je fais. Hein. Donc là, petit, donc là c'est moins du pifomètre. Ça va, tranquille. Donc rapide, moyen. Donc on privilégie le rapide. Et au bas à la fin. Parfait. Très rapide, gauche, haut, droite, haut. Le pire, c'est que je me suis planté qu'à la fin. C'est pas gauche, haut, hein. C'est haut, gauche. On commence par le haut. Donc on reste en haut. Ça, c'est une erreur que j'ai fait depuis super longtemps, en fait. Donc maintenant, il faut... C'est quoi celui-là? Oui, de... je l'avais oublié. Donc épée, cercle grand deux fois. Donc une deuxième fois. C'est pas évident, je trouve. Hein. C'est pas évident parce que je suis en train de mourir là. Waouh, 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 là, là, là. Snowpiss. Donc maintenant, Snowpiss, super rapide à l'envers, normal et à l'envers. Donc on commence par du à l'envers. Alors là, j'ai juste loupé tous les trucs. Hein. Je pouvais pas faire pire. Donc là, normal à l'envers un peu et faut rester dessus. J'ai pas compris la pattern, moi. Alors là, oh là, incroyable, incroyable ce qui vient de se passer. Je dis surtout pattern, restez à l'endroit où il faut rester pour le truc miroir là. Et je pars avant qu'il y ait le truc qui arrive. En fait, c'est même pas que je pars, je sais même pas ce que j'ai fait. Il faudra revoir ça. Vous l'avez vu parce que j'ai même pas compris ce que j'ai fait en fait. Parce que c'est juste totalement irrationnel ce qui vient de se passer. C'est-à-dire que j'ai quand même réussi à me planter en sachant absolument ce qu'il fallait faire. Et j'ai l'impression que je ratais, même pas, c'est même pas les meilleurs que je ratais, c'est-à-dire que je ratais déjà le début du truc et que je faisais autre chose pendant que je faisais des saucisses au barbecue. Non mais, ça n'a aucun sens. Parce que là, si je vais pas plus loin, mais je vois pas l'intérêt de continuer à jouer. Hein. Tu vois, il y a un certain tempo à utiliser. Ça sert à rien, regardez, en fait, c'est du sonore. Gauche, droite, rapide. Lenteur max. Pas mal. Oh putain, et j'ai failli tourner. Il y a deux fois où j'ai failli tourner trop tôt et finalement ça a bien marché. Incroyable. Épée grand. Là ça va être un peu plus dur de pas se planter. J'ai réussi à paumer toutes mes vies sur celui-là. Petit 3. Et là j'ai fait n'importe quoi, mais heureusement quand je faisais n'importe quoi, il n'y avait rien de spécifique à se prendre. Donc
Là, j'ai eu du cul, là. Franchement, c'était juste du cul. Donc là, moyen rapide, au bas. Donc là, surtout, prendre les rapides en premier. Voilà. Tout simplement. Après, on est où? On est très rapide, gauche, haut, droite, haut. Mais non, mais c'est pas ça, en fait. Mais oui, là, c'est, je suis complètement con, en fait. Ça a toujours été... Mais non, oui, ça a été haut, là. C'est le, là, le haut. On reste en haut au début. Et après, on fait gauche. Là, on s'en fout. Hein. Ça a toujours été gauche. Donc là, on a dit haut, gauche. Donc, on reste en haut. Putain, deux fois de suite en plus. Je croyais que j'avais fait un super début, là. Incroyable. Hein. Donc là, gauche, haut, à l'envers. Épais cercle grand. Alors j'ai même pas tourné en fait, c'est incroyable. En fait elle est super dure cette pattern, je trouve. En plus ils nous mettent deux fois de suite, hein. C'est la seule qui nous mettent deux fois de suite pour l'instant. En général ils essayent de faire des petites variantes, mais là, à pas une seule. Donc là je prendrai le Snoopy parce que là j'en ai vraiment plus beaucoup. Donc super rapide à l'envers normal. C'est dingue parce que après tu peux plus le reprendre en fait. Tu peux plus reprendre la bonne pattern. C'est-à-dire que ça c'est... Je trouve ça vraiment casse-gueule. Hein. Et là c'est normal et on reste sur la l'envers. Non, normal et on reste sur le normal. Mais oui, mais il n'y en a pas tout le temps en fait, c'est ça le truc. Mais oui, mais moi j'essayais déjà de prendre le à l'envers, c'est débile ce que j'ai fait. Là, c'est mort là. Et donc là c'est normal et à l'envers. Donc là c'est lenteur max qui est a priori plutôt simple, bizarrement. Parce qu'il y en avait plein à voir mais en fait finalement on les a pas fait, donc piqué grand. Donc là j'ai encore de la vis, ce qui est quand même assez incroyable pour cette étape. Et là il faut faire le piqué grand, donc là je sais pas ce qu'il faut, bah, je pense que c'est un peu le même principe que l'autre. Mais il faut tourner en cercle là. Vous avez vu ce que je fais là? Vous avez vu ce que j'ai fait? Faut tourner en cercle. Tourner en cercle. Incroyable. Et là j'étais juste à l'agonie. C'était impossible que j'aille plus loin. Et là on atterrit au numéro 16 les amis. Je n'ai plus de vie. J'ai 14 points là. Et bim! Mais oui, attends, mais c'est de la rotation qu'il faut faire sur celui-là, je pense. C'est de la rotation. Parce que tu peux pas aller tout droit comme ça, c'est pas possible, mais de la rotation, ça pourrait marcher. Donc là, on retourne sur de l'épais cercle gland. Je pense que tourner en cercle, ça va tout changer, en fait. Mais oui, tourner... Mais vous avez vu, j'ai tourné en cercle, y a rien qui me touchait. Pourtant, c'était juste illisible hein, quand je regardais le truc. Mais je tournais en cercle, j'essayais d'éviter un petit peu de suivre une certaine courbure qu'il y avait dans les déplacements. Et ça marchait. Donc là, j'ai fait le 16, il est 23h56. Est-ce que... On est partant pour une... Allez, moi je suis partant, là, je suis partant, là, je suis, mais grave partant. On verra bien quand ça me saoulera, on verra bien quand j'aurai un coup de fatigue ou que je commencerai un peu à me trop me planter, à ne plus comprendre les... à ne plus assimiler les patterns. Mais là, on a fait du bon boulot. Et puis maintenant, vu que j'ai tout noté, ça va être très facile de reprendre le jeu et de réassimiler toutes les patterns une par une. Franchement, je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Je pensais que j'allais me casser, tomber dans une transe et... Mais en fait, non, c'est super simple. Là, la simplicité n'est qu'une... Je suis chié dessus. Donc là, plus de... Voilà. Le tuto. J'appelle ça le tuto parce qu'il est super simple, hein, et puis c'est toujours la même chose. Donc... Là, c'est flèche gauche-droite, super rapide. Je me suis planté, on s'en fout, on n'a rien vu. Donc là c'est la lenteur maximum, on le connaît. Donc là c'est le cercle je crois.
Donc ouais, c'est peut-être ça en fait, c'est tourner en rond qu'il faut faire. C'est pas le 8 forcément. Après peut-être faire le 8, c'est plusieurs ronds après, c'est ça le truc. Mais ça m'a l'air de marcher en fait. Donc là c'est le petit 3. J'ai pas tout compris ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. C'est ça le truc, parce que je comprends pas toujours ce que je fais, j'ai l'impression. Et vous allez dire, mais il est complètement con, pourquoi il est tourné à ce moment-là alors qu'il aurait pu rester sur lui-même. C'est voilà, c'est très, je pense que ça peut être très simple à critiquer comme hein, parce que vu que c'est que du réflexe, tu peux critiquer mes réflexes, tu peux critiquer mon anticipation. Bref. Hein. Attends, je vais baisser le son parce qu'il est en train de me casser les couilles ce jeu. Enfin me casser les oreilles, pardon, excusez-moi, en plus j'insulte de façon non rébatoire. Non rébatoire, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien finir mes mots par atoire et les commencer par Noreb. Parce qu'il n'y a aucun sens. Donc là rapide moyen et on finit par Oba. J'ai réussi à me planter, bravo. Incroyable, bravo Tiflorg. Et là, c'est du haut gauche, haut droite. On est d'accord que j'ai toujours pas réussi à faire celui-là. Hein. Donc là, c'est du haut gauche à l'envers. Oui, parce que moi j'ai mis gauche haut, mais non, en fait, c'est du haut gauche. Non, non, justement, c'est du gauche haut. Putain, mais je suis débile. Bon, c'est du haut gauche haut. Je sais pas pourquoi j'en ai mis deux en même temps, mais je pense qu'il y a un bug. Hein. Après, on a du cercle grand, c'est ça hein? Oui. Je sais pas pourquoi encore le truc s'est mis. Enfin, je pense qu'il y a des bugs. Putain, mais oui, le cercle. Le cercle, quoi. C'est le cercle magique. Tourner, faut tourner, toujours tourner. Et parce que le truc il tourne aussi, donc faut tourner. Pourquoi pas faire des 8 si le truc tourne. Bon, je me suis un peu planté, certes, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup plus fluide à faire. Super rapide à l'envers. Normal à l'envers. Parce qu'en fait, là depuis tout à l'heure, grâce au 15 que j'ai compris directement, eh bien je peux maintenant perdre moins de vie ici. Et donc là maintenant, c'est rapide à l'envers. À l'envers, normal à l'envers. Toujours planté sur celui-là. Donc là, c'est normal. Et on reste sur les à l'envers. On reste sur les à l'envers. On reste pas sur le... Enfin, mais j'ai rien compris à ma vie, moi. Et donc là, c'est le contraire. C'est incroyable. Je sais même pas en fait comment c'est possible de se planter que j'arrive quand même à me planter. Donc là c'est lenteur max qui a priori est pas trop dur. Mais bon, il y a toujours des surprises. Hein. En fait le truc c'est que le truc est tellement lent que tu arrives à te planter. Donc là on a piqué cercle grand. Donc on a dit que si on faisait des cercles, ça pouvait marcher. Il y a une épée qui a apparu, je ne sais où. Mais je pense parce que je me suis trop élargi comparé à la courbure de cercle. Ouais. On le refait là, il est minuit. Hein. J'ai bien envie d'entrer. Et puis voilà, si je vais pas plus loin, on arrête. Si j'ai réussi à aller plus loin, ou ça serait plutôt le monde. Si justement je réussis à aller plus loin, non, on arrête à ce moment-là. Je sais pas. On verra bien. Faut, si j'arrive à aller plus loin. Bah, dans les deux cas, ce sera tant mieux et j'arrêterai. On se fait une petite dernière, même si je vois pas pourquoi j'arrêterai. C'est ça le truc, je me dis, mais pourquoi j'arrêterai? Gauche, droite. Lenteur max. Je suis chié dessus, je sais pas pourquoi j'ai cliqué deux fois sur le même truc, mais c'est pas grave, je pense que j'ai bugué, une fois. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé non plus. Là, j'ai voulu prendre un autre, donc sauf que j'avais pas déjà pris le bon, donc. Donc là, c'est déjà mort, je pense que là. Non, en fait, là, je pense que là. Mon cerveau est en train de s'aplatir. C'est-à-dire que là, je... c'est bon, c'est mort. En fait, il est beaucoup plus dur de d'établir des cercles sur celui-là parce que... en fait, faut vraiment toucher les bords, en fait, pour faire un vrai cercle qui pourrait permettre d'éviter les trucs.
Parce que vu qu'il y a moins de marge de manœuvre, en fait, si on est plus serré, bah, c'est plus dur. Et donc là, maintenant, c'est le petit 3. J'ai fait une merde. Donc là, maintenant, on a rapide, moyen et haut, bas. Haut gauche, haut droite. Très rapide. J'ai jamais réussi celui-là. Voilà, j'ai réussi. Elle est possible, elle est possible. Et la gauche haut et à l'envers. Bon, celui-là, j'ai déjà réussi plein de fois, mais bon, ça, je vais réussir à me planter, c'est obligé. Même pas. Cercle grand tourné. Alors on va essayer notre nouvelle technique de tournage. Ah mais il y en a qui tourne pas dans le bon sens en fait, c'est ça. Putain mais j'ai bloqué mon bouton. Donc la même. En fait, j'essaye de faire des 8, mais c'est pas possible de faire des 8 avec ce truc-là. Non, j'ai pas envie de prendre le snowpiece tout de suite. Rapide à l'envers, normal à l'envers. Mais t'as vu, j'en ai... Parce que... Y a, je pense que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance durant cette épopée. Cette épopée. non mais j'ai eu beaucoup de chance en fait. Il y a des fois où justement je finissais une manche avec un point de vie. Là le truc qui s'est passé c'est que j'ai chié et en plus j'ai paumé. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Mais c'est bien parce que j'ai pas envie d'arrêter, donc on continue. Voilà, tout simplement. 1h38, putain je voulais faire qu'une heure. Qu'une heure et demie, bon. Alors on arrête à minuit et demi. Pourquoi arrêter? Allez, je m'arrête à 3h30 du matin comme j'avais dit, 3h33. Si en 3h33 j'arrive pas à battre le boss, là je pense qu'on peut arrêter. Et ça serait quand même grave. Enfin, passer 3h sur un seul boss, ça fout mal quoi. Quoique je dis ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà, on a bien avancé depuis une heure. Hein. Depuis une heure et demie là, je peux te dire. Moi, franchement, attends, je vous dis, j'avais passé. Ouais, je crois que le premier c'est le 9ème. J'avais pas été plus loin que le 9. Sans faire de notes. Enfin, je dis ça, j'en sais rien en fait. Non, j'avais pas été aussi loin. Ah, je sais plus. Le truc à l'envers, ça, je pense pas l'avoir fait. Je sais pas. Donc là, c'est lenteur. Voilà, en fait, là, je pense que mon cerveau, il est en train de se dissiper, quand même. En fait, tout ce que je fais maintenant, c'est instinctivement. Là, je comprends plus ce que je fais. Non, c'est mort. Là, je pense pas que j'irai... Je pense pas. En fait, tout ce que je fais... Ah, je sais pas, en fait, je suis dans un état de sommeil, en fait, c'est ça. Non, de fatigue. Et donc ce que je fais là, ce que je fais, c'est purement du pif, de l'instinct. Donc c'est peut-être une bonne chose l'instinct. Le truc, on peut réussir par l'instinct. Parce que maintenant, vu qu'ils ont tellement été... Voilà, j'ai même plus besoin d'y réfléchir pour le faire en fait. Donc c'est peut-être mieux. Je sais pas. Faudra essayer, mais on va essayer. Hein. C'est pas convaincant. Rapide, moyen et au bas. C'est pas convaincant non plus. Après on a du haut gauche, haut droite. Bah, je vais réussir qu'une fois celui-là. Hein. Pas deux. Hein. Donc gauche, haut. Et à l'envers. Je sais même pas ce que j'ai fait. Non mais voilà. Là en fait là c'est des erreurs complètement d'inattention parce que je ne suis plus attentif. C'est mort. Non mais là j'ai failli perdre. Hein. Là c'est snowpiece directement.
pensais qu'on pouvait réussir à l'intérieur, mais non. C'est possible, j'essayais des trucs, mais bon, là, j'ai juste essayé de me suicider. Là, je me suis fait tuer tout à l'heure sur cette merde, donc on reste dessus, c'est normal, et à l'envers, on reste dessus. Oui, en fait, moi, je reste dessus, mais sur la l'envers. Je suis débile. Ou je me casse, en fait. C'est... En fait, la l'envers, il est à l'envers, hein, donc il est pas, il suit pas le machin. Donc on reste sur le truc et on attend que la l'envers arrive. C'est ça, en fait, le truc. J'ai même plus envie de tester parce que je sais que je vais faire encore pire qu'avant. Et c'est pas ma motivation qui perd, mais là, c'est mon cerveau, en fait. On va réessayer une fois. Je dis ça chaque fois. Non, mais ça, je pense que faire cette vidéo, ça m'a motivé, même si je serai pas posté, j'en fous, mais... Au moins, ça m'a motivé à essayer de continuer le plus vite possible et à essayer de faire une vidéo intéressante. Et voilà, ça fait une vidéo qui est plus ou moins intéressante dans un optique, pourquoi pas intéressante, quoi. Et puis voilà, les dialogues, on les voit même pas passer maintenant, parce que je parle en même temps, donc j'en ai rien à foutre. Donc là, voilà, et puis je peux comme ça, je peux réviser mes notes pendant, donc c'est super cool. J'ai chié. Non, ça se voit que je suis plus du tout concentré là. Non, mais pour des trucs où il y a la pattern est très très ancrée, c'est facile. Mais là où il y a des trucs faut réfléchir ou c'est un peu plus tactique, c'est complètement compliqué. Là encore, je sais pas pourquoi. Non, parce que c'est la lenteur max alors que ça va super vite, c'est ça qui est assez drôle. Même si ça a du mal à passer parfois, c'est ça qu'il faut faire. Clairement ça. Rapide, moyen, au bas. Un peu chier dessus, mais c'est pas grave. Et en fait, j'ai pas l'impression d'être plus en forme, c'est ça qui est bizarre. Au gauche, au droite, et là, je ne la réussis jamais. Celle-là, j'ai juste réussi qu'une fois. Et voilà. Va te faire foutre. Donc, on est à gauche, haut, et après, on le fait à l'envers. Ouais, faut attendre un petit peu avant qu'il se calibre de l'autre côté pour pouvoir refaire le même tempo en fait. Excusez-moi, là je me disais la musique, c'est vrai, la musique je prête jamais attention alors qu'elle est géniale. Même si c'est pas mon thème préféré de Undertale, certainement pas, mais il est pas mal, il est sympa. Comparé aux autres, il est sympa. Donc là, épée, cercle grand, et donc faut tourner. En fait, faut pas tourner, faut faire des zigzags, je pense. On va essayer plutôt zigzag sur celui-là. Parce que tourner, on peut pas, en fait. Sur l'autre, on peut tourner, mais zigzag, je pense, sur celle-là, ça peut être plus simple. Là, j'ai fait une connerie. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Les zigzags. Donc, super rapide à l'envers, normal. À l'envers. Je comprends. Hein. Là, c'est normal et... En fait, c'est ça, faut pas se soucier des jaunes ici. Ça sert à rien de se soucier des jaunes. Les jaunes, ils viendront à nous, de toute façon. Et là, c'est le contraire. C'est normal et à l'envers et... On va les chercher. J'ai réussi à me planter, c'est grave. C'est franchement grave. Lenteur max.
Donc là, c'est tourner en cercle. Il faut rester bien sur la ligne et pas se faire avoir par le reste. C'est difficile à... Oh là là, c'était difficile. Cercle grand. Donc là, on fait des zigzags. Ah non, mais c'est des cercles... Ah non, t'as vu ? Lui, le malin, lui, il est malin parce que lui... Et je dis ça, il est malin, mais... Là, on va faire le 17, donc ça veut dire... Ah, j'ai réussi à aller plus loin alors que je disais, moi, je suis plus en forme, je pense que je vais arrêter. Bruti. Ouais. Putain, je pensais que j'allais y arriver, là, je me suis tourné pour faire le cercle que je voulais faire. Donc là, on a épais cercle, épais grand, plus rapide. On pourrait continuer, moi je vous le dis. Moi je vous dis, on pourrait continuer. Mais on pourrait. Je pense que je pourrais continuer. Je sais pas, mais il y a une part dans mon corps qui me dit non, mais arrête. Mais je sais pas en fait. Est-ce que de toute façon, je pense qu'on va. Je pense que je vais continuer demain. Demain soir. Puis chaque soir, j'essaierai de continuer un petit peu jusqu'à temps que j'y arrive. Et puis voilà. C'est faisable quoi, y'a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Donc je vous dis pourquoi pas bonne journée. Et puis on se retrouvera pour une nouvelle vidéo sur Undertale. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc voilà. Et puis voilà, on se retrouvera comme des petits choux.